Alors bonjour à tous et bonjour Johan. Bonjour Jérôme. Alors tu es le fondateur de Français Authentique, donc un Oui. site dédié donc à l'apprentissage d'un français donc authentique, donc bien parler Exactement. français notamment pour les personnes qui n'ont pas le français comme langue d'origine. Tout à fait. Et ça tombe très bien parce que justement pourquoi je t'ai contacté? Parce que en ce moment avec la semaine.com, on organise donc un événement autour de apprendre à apprendre. Et je pense que sur l'apprentissage des langues, tu es très bien placé et ça fait partie de ces défis d'apprentissage, apprendre une nouvelle langue. Donc avant de partir directement dans les conseils pratico-pratiques, est-ce que tu pourrais rapidement t'introduire et qu'est-ce qui t'a Sûr. mené à créer Français Authentique? Bien sûr, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Johan Tekfak. J'ai 32 ans. Je suis marié. J'ai deux enfants. Et j'habite en Moselle, donc dans le nord-est de la France. Je suis responsable projet dans l'industrie automobile et j'ai créé Français Authentique, donc il y a maintenant 6 ans, pour aider les gens qui comprennent le français à apprendre à se développer et à apprendre à vraiment mieux le parler. Donc, comment cette idée est venue? Ça m'est venu lors de mon passage en Autriche. J'ai vécu pendant 6 ans en Autriche et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui donc avaient ce problème, qui comprenaient bien le français, mais qui n'arrivaient pas à le parler, qui n'arrivaient pas à être actifs dans l'utilisation du français. Et donc, en faisant quelques recherches sur le sujet et en utilisant mon expérience personnel, puisque en vivant en Autriche, j'ai eu l'occasion d'apprendre l'allemand, j'ai mis au point une méthode, une technique qui aide les gens donc à devenir actifs dans l'utilisation de la langue française. Et justement là, donc tu fais un pont, un super pont avec la question qui allait venir justement. C'est par rapport à Français Authentique. Donc, quelle est la méthodologie que tu as mise en place pour faciliter l'apprentissage d'une langue? Ben, déjà, moi, la première chose pour moi-même, pour mon cas personnel, je suis très basé sur l'apprentissage indépendant. Donc, je pense que quand on a un niveau en langue qui nous permet de comprendre, je pense pas qu'on arrive à vraiment bien se développer au niveau de la parole en continuant à aller en cours. Donc, je suis partisan d'un apprentissage indépendant. Et aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a sur Internet, c'est assez facile, je trouve, de beaucoup absorber de contenu. Et je suis très partisan d'une méthode d'apprentissage naturelle. Donc, en gros, mon système, il est basé sur 7 règles. Donc, c'est ce que j'ai appelé les 7 règles de français authentique, où je conseille aux gens donc de beaucoup écouter, donc beaucoup de contenu, d'absorber beaucoup de français, du français qu'ils comprennent bien sûr, parce que ça n'apporte rien d'écouter des choses qu'on ne comprend pas. De répéter, donc c'est-à-dire qu'il faut entendre un mot, un nouveau mot au moins 30 fois avant de le connaître, donc il ne faut pas hésiter à écouter souvent la même chose, le même contenu. Pour ça qu'il faut essayer d'écouter du contenu intéressant. Le troisième pilier, donc c'est d'écouter pendant ses temps morts. On perd tous du temps dans les embouteillages, quand on fait son sport, quand on fait son ménage. Et donc là, avec les technologies Internet, on a la possibilité d'écouter des MP3. Donc il y a largement la possibilité d'écouter 1 heure par jour pour tout le monde. Je suis partisan du Kaizen. Donc ça doit être quelque chose qui te parle à toi, cette idée d'amélioration continue. Donc je leur conseille, il faut qu'ils pratiquent chaque jour. Donc vaut mieux pratiquer 30 minutes chaque jour que 3 heures que le samedi. Donc essayez chaque jour d'apprendre un petit peu. Ça, c'est la 4e règle. Et ensuite, donc, j'aime leur permettre d'apprendre grâce au contexte. Donc, je leur donne l'occasion d'écouter des histoires dans lesquelles je répète plusieurs fois la même expression qu'ils doivent acquérir. Donc, grâce au contexte, lorsqu'ils ne connaissent pas encore l'expression, ils arrivent à comprendre sans avoir la traduction dans leur langue maternelle. Et donc, les 2 derniers piliers de cette méthode, la première, c'est d'écouter par le biais donc d'histoires intéressantes. Et le dernier pilier, c'est d'écouter du français authentique. Donc, pas écouter le français que nous, on a qu'ils ont l'habitude d'entendre en cours, donc des choses stéréotypées, un CD qui n'est vraiment pas du tout authentique, où c'est du bonjour, je m'appelle Johan. Donc, vraiment écouter du vrai français avec les expressions françaises. Et vraiment du français qui est authentique et réel, parlé par des francophones. Ouais, pas comme ça fait penser à Gad Elmaleh, Where is Brian?
Voilà, par exemple, Le c'est truc qui très très vrai. standard et qui est en fait hyper aseptisé, qui a zéro émotion, zéro interaction et que ça donne pas envie du tout d'écouter. C'est un peu comme si on te demande de répéter bonjour, je m'appelle machin et que c'est pas vivant en fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc, c'est ce que j'entends par le français authentique. Et donc, par exemple, j'ai un podcast que je publie chaque semaine dans laquelle j'essaye d'apprendre, enfin, d'enseigner une expression typique française. Par exemple, s'emmêler les pinceaux ou ça caille ou vraiment des expressions que les Français utilisent ou que les francophones utilisent régulièrement. Donc, voilà un petit peu la philosophie de la méthode. Et voilà, donc il y a beaucoup de personnes. Il faut bien sûr que les gens aient déjà un très bon niveau pour suivre cette méthode. Il faut déjà quand même comprendre pour répéter, etc. Mais je pense que si on veut passer du niveau de compréhension au niveau d'expression, eh bien suivre ces piliers, c'est à mon avis la meilleure solution. C'est ce que j'ai fait en allemand et en anglais. Et je pense que tu as appris l'anglais comme ça, Ben j'imagine. c'est un peu comme, enfin c'est une forme d'autodidaxie, comme tu disais, Oui. apprendre indépendamment, c'est quelque part se prendre en main et ne pas compter sur les autres, un prof, un groupe, etc. pour apprendre. Et enfin moi je suis tout à fait d'accord, parce que là-dedans tu parlais donc de se prendre en main, d'avoir de la régularité, Oui, tout à d'avoir fait. de la répétition, répéter, réécouter, s'incruster le... vraiment les mots et les histoires et ce que tu disais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent mais le contexte c'est vrai que c'est plus facile de retenir quelque chose qui nous parle et qu'on arrive à visualiser Exactement. que une liste de mots comme ça enfin moi par exemple en japonais quand j'étais au Japon on nous apprenait des listes de mots comme ça il n'y avait pas du tout de pédagogie on disait il fallait et moi du coup je retenais rien j'étais une quiche en japonais alors que si on avait rendu le truc un peu plus ludique et comme tu disais contextualisé avec des techniques de mémorisation bah, je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus efficace Oui, certainement, oui, ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. et du coup ça ces règles-là et donc tu les appliques donc dans l'apprentissage des langues, est-ce que c'est duplicable dans d'autres domaines? Comme par exemple, ben, voilà, on parle souvent d'entrepreneuriat tous les deux, et est-ce que par exemple ça peut faire partie, donc ça peut aider à apprendre, donc développer des nouvelles compétences entrepreneuriales par exemple? Oui, donc bah, déjà le fait d'être autodidacte et d'essayer de s'intéresser aux choses par soi-même sans attendre qu'on nous les apporte sur un plateau, c'est déjà à mon avis la qualité principale d'un entrepreneur, c'est la qualité de base. Cet esprit Kaizen aussi, hein, moi lorsque j'ai créé mon entreprise en parallèle de mon emploi en tant que salarié, donc j'avais peu de temps, mais donc j'essayais chaque jour, donc avec cet esprit Kaizen, cette amélioration continue, de travailler très régulièrement, donc d'être vraiment focalisé sur quelques améliorations quotidiennes. Et il y avait parfois, bon, bah, même si c'était une demi-heure, je me posais, j'essayais de travailler pendant une demi-heure. Donc ça, je pense que ça peut toucher chaque entrepreneur. Après, pour moi, c'est vrai pour les langues, c'est vrai pour l'entrepreneuriat, et c'est aussi une chose que tu enseignes, c'est il faut avoir cette passion. Je pense que si on veut apprendre le français, il faut être passionné par le français, il faut être intéressé par la culture française, etc. Sinon, ça ne marchera jamais. Et ça, on Aussi. peut le dupliquer aussi à l'entrepreneuriat, par exemple. Ouais, c'est vrai, et comme tu dis, y a le mot, tu as utilisé le mot passion, et moi à ce moment-là, je pensais aussi au mot patience. Les deux se Aussi, ressemblent, mais pourtant sont oui. très liés, parce que si on n'a pas cette passion, on n'aura pas la patience de répéter, de faire 30 minutes par jour et bah, finalement d'attendre pour avoir des résultats, parce que forcément ça prend plus de temps que si on C'est vrai. bourrinait sur un week-end, mais finalement ça aurait été au final ce serait un résultat, mais un résultat éphémère, alors que là, avec cette patience-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable. Donc Tout à fait, oui. pour moi Je suis les deux sont d'accord. liés, ouais, patience et passion, les deux vont ensemble, ouais. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a vraiment énormément de choses qui sont duplicables. Par exemple, le fait de ne pas hésiter à se faire aider. J'essaye, dans le cadre de Français Authentique, de créer une communauté. Donc là, j'ai une page Facebook où il y a 200 000 personnes qui donc ont aimé la page. Et il y a vraiment un noyau dur de gens de personnes vraiment très actives. Donc les meilleurs aident les moins bons, etc. Et je pense que ça, c'est vrai dans l'apprentissage d'une langue. Il faut vraiment essayer de se faire aider. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat également.
Il peut nous arriver d'être bloqué sur un point lors de la création de notre entreprise et il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider, à aller voir des experts qui ont déjà rencontré ces problèmes-là. Ça, c'est encore un point qu'on peut transcrire, à mon avis. Ouais, et tout à fait. Et là, dans la notion de se faire aider, moi, ça rejoint un petit peu aussi à mon activité de coach. C'est que finalement, il y a ne pas tomber dans le piège de demander de faire pour soi. Parce qu'il y a une différence entre se faire aider et demander à la personne de faire pour soi, et du coup de ne pas développer les compétences pour pouvoir le faire soi-même. Et par exemple, en coach, souvent on me demande, ah bah oui, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est pas le rôle d'un coach. Le rôle d'un coach, c'est que la personne trouve la solution par elle-même. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des consultants qui vont faire les choses et les coachs vont guider les gens à le faire. Et il y a cette deux. Et pour moi, cette manière d'apprendre est très importante, que les personnes vont en exploration, s'autorisent à échouer aussi, parce que du coup, lorsqu'on va tester des trucs, on va se planter certaines fois. Mais du coup, ça fait partie de l'apprentissage parce que derrière, on va penser planter et du coup, on a découvert d'autres choses, pourquoi on s'est planté, comment ne plus se planter pour la prochaine fois. Et c'est vrai que le soutien dans ces moments-là est hyper important aussi, parce que des fois on perd patience, justement, on a envie d'abandonner, mais le soutien est peut-être aussi moral là-dessus en disant, Exactement. continue quoi. Oui, mais ça, je le vois par exemple sur la page Facebook où des gens vont commencer à se décourager, comme tu dis, et tout de suite, il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer de leur remonter le moral et de leur dire, je suis passé par là, il n'y a pas que toi, et il faut passer cette petite colline, cette première petite colline, et ensuite, eh bien, ça ira tout seul par la suite. Donc, effectivement, c'est très important aussi. Oui. Donc, il y a tout qui se recoupe finalement. Donc là, par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que tu aurais encore un ou deux derniers conseils ou astuces à partager avec nous pour apprendre à apprendre en fait? Ben, moi, au niveau 100% accès entrepreneuriat, je pense qu'il y a deux points qui sont très importants. Et le premier, c'est j'ai appris ça dans un podcast qui s'appelle Internet Business Mastery et qui m'a beaucoup touché. C'est ce qu'ils appellent le just-in-time learning, donc le juste à temps au niveau de l'apprentissage. Quand j'ai créé mon business, j'ai eu tendance à tout vouloir apprendre en même temps. Et avant d'avoir un site, j'étais déjà en train de penser à comment je vais améliorer mon trafic, par exemple. Et donc, eux, dans cette histoire de just-in-time learning, d'apprendre en juste à temps, c'est qu'ils disent, pense déjà à la première étape. Si tu as besoin de créer ton site, apprends tout ce que tu peux sur la création du site. Et une fois que tu auras ton site, tu pourras passer à autre chose. Mais ne pas se disperser à vouloir tout apprendre. Parce que ça, c'est le risque lorsqu'on est passionné, on parlait de passion tout à l'heure, c'est de vouloir d'être tellement intéressé par le sujet, de vouloir tout apprendre là-dessus. Alors que je pense, ce serait mon premier conseil, qu'il est bien d'attendre, de se focaliser sur un point, et une fois qu'on le maîtrise, passer au point suivant. Vraiment apprendre ce dont on a besoin à l'instant T. Ouais, juste rebondir sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que finalement, le fait, donc, comme tu dis, d'apprendre quand c'est le moment, bah, ça permet aussi de mettre en pratique. Par exemple, quand tu dis bah, j'apprends à faire un site, je le mets tout de suite en pratique parce que je suis en train de faire le site, alors que si tu as envie d'apprendre d'autres trucs que tu ne peux pas mettre en place, bah, du coup, tu assimiles moins l'information aussi. Oui, c'est vrai, Donc, ce côté-là exactement. aussi qui est hyper intéressant, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis donc peut-être mon dernier conseil, ce serait d'essayer d'éviter de chercher à se spécialiser partout et à tout faire soi-même. Donc là encore, c'est vrai pour l'entrepreneuriat. On ne pourra jamais devenir spécialiste du SEO et en même temps du Facebook et en même temps de tous les domaines. Il vaut mieux, à mon avis, essayer de se concentrer sur son cœur de métier et de ne pas avoir peur de déléguer les choses finalement qui sont moins dans notre qui font moins partie de nos compétences intrinsèques. Donc ça, c'est une chose aussi que j'apprends avec le temps, essayer d'éviter ce syndrome du super-héros où on est entrepreneur, on veut tout faire soi-même, parce que finalement, ça nous freine et on perd beaucoup de temps. Donc apprendre, c'est très bien, apprendre à apprendre, c'est très important, mais il ne faut pas hésiter, à mon avis, à se dire, bon, j'en sais suffisamment sur ce point, c'est pas ma spécialité, je vais me focaliser et continuer à m'améliorer sur mon expertise. Et par contre, pour le reste, j'ai suffisamment de compétences pour avancer, mais là, je délègue et je laisse un expert finalement s'occuper de ce domaine-là. Ce serait mon deuxième et mon dernier conseil pour les gens qui veulent apprendre à apprendre. Ouais, bah super,
Ce n'est pas parti dans les oreilles d'un sourd. Donc, c'est top. Merci beaucoup, Johan. Donc, Merci je à toi. rappelle, hein, donc, tu es le fondateur de Français Authentique. Et donc, cette interview est faite dans le cadre donc de la semaine spéciale Apprendre à apprendre. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'autodidaxie, de découvrir de nouvelles techniques d'apprentissage comme la mémorisation, la lecture rapide, etc., inscrivez-vous sur le site la-semaine.com. Voilà, merci beaucoup Johan et à très Merci à bientôt. toi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.